Ok les potes, bienvenue pour la petite boutique quotidienne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé du coup un bon vendredi, même si on est maintenant le week-end, et que vous passerez un bon week-end, il fera beau, normalement. Enfin, tout dépend où vous habitez après. Mais je dirais qu'il fait assez chaud. On va dire, le temps change tellement vite qu'on sait même plus. Des fois, s'il fait chaud, beau, à quoi l'orage, on sait plus. Mais normalement, ce week-end, il va faire beau. Enfin, peut-être trop chaud, on verra. Mais bon, pour combien de temps? Ça, on sait pas, les gars. Sur ce, du coup, on a tout disponible les skins de SSS. Donc, on a ce skin là, celui-là aussi. Et le nouveau skin qui est sorti. Du coup, d'ailleurs, je l'ai pas encore mis, c'est vrai. Parce que du coup, il y avait la club avec Jasper, les gars. Mais voilà, le skin, je le mettrai. Je l'aime beaucoup, hein, même si, comme je vous ai dit l'autre jour, les couleurs font penser un peu à l'Allemagne. Mais bon, après. C'est pas très grave. C'est peut-être un lien, hein. Peut-être que chaque fois ils font des skins. Parce que c'est vrai que des fois on a vu des skins en bleu, blanc, rouge, etc. C'est vrai que peut-être qu'il y a un thème à chaque fois qu'on a fait indirectement. C'est peut-être fait exprès. En vrai, on sait pas. Du coup, on a les skins emblématiques. Alors, on a quoi? Léviathan. Un petit skin à 2000 V-Bucks. On a la danse extraterrestre qui est en lien avec le skin. Hein. Ce côté espace. Hein, du coup. On a également le petit planeur. Avant du petit. On a également la petite pioche, enfin là encore quand je dis petite pioche c'est entre guillemets parce que c'est quand même une planète sur une grande pioche donc vous avez compris la ref à chaque fois. Le skin du coup Zogoton du coup, je rappelle il y a deux customs, la version que vous voyez en noir que j'avais mis la dernière fois que j'avais joué, la pioche aussi, deux customs, le pack dedans il y a le skin avec la pioche pour 1200 V-Bucks. Après ouais, c'est pas un skin que tout le monde va jouer mais il est plutôt rigolo parce que c'est une alien, je trouve. Il est sorti il y a un petit moment, c'était il y a deux ans, les gars. Finalement, le petit pack, si vous souhaitez avoir le pack, etc. Moi, j'avais que la danse qui me plaisait, donc que j'avais bien acheté bien avant, qui servait sur le pack. On a également le retour de John Wick, qui lui était prévu qu'il allait revenir en boutique. Donc, vous avez le skin John Wick avec du coup la double. Bah, je vous montrerai rapidement. Vous avez John Wick, le sac à dos, la pioche, que la première pioche, que du coup, son marteau. Simple. Il y avait également le katana de John Wick qui était sorti bien plus tard. C'est assez récent pour le coup, c'était il n'y a pas si longtemps que ça en vrai. On a également le katana, voilà, comme ça. Le petit revêtement. Il n'a pas le. Enfin, c'est le deuxième revêtement, il me semble. Généralement, on en a censé avoir deux. Mais je sais pas s'il est en boutique, je crois pas. On a également l'emote. On se reverra. Il y avait le skin tout seul si vous voulez voir. Que le skin, également le gilet pare-balles. Le pare-balles, voilà. Classique. Je vous rappelle que c'est à 200 V-Bucks. Et également, pareil pour la ligne de là, c'est aussi le même prix. On a également Extinction de Feu, qui est une mode assez récente, enfin récente, dans le sens par rapport aux deux autres ligne modes. Il est sorti bien après, avec le katana de Wick, du coup, qui a un rapport avec le dernier film avec John Wick, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, il est sur une Prime Vidéo. Par contre, il me semble qu'il est alloué ou à payer, enfin, il n'est pas gratuit contrairement aux trois premiers. Je vous dis juste qu'il voulait voir les films. John Wick qui sont prime vidéo les gars. Le 1, le 2 et même le 4. Il est dessus, voilà, pour ceux qui sont fans de du coup du personnage ou des films du moins. Ouais je vous dis un petit truc qui a qu'à rapport avec la boutique mais si jamais si vous voulez du coup le voir, il est là-dessus. On a également les emotes du coup tout qui est revenu hier. Bon c'est des emotes qu'on connaît les gars. Mais on aime bien ces emotes là. C'est vrai que vous c'est des emotes. Même si c'est copyright à part celle-là. C'est dommage, toujours des modes du copyright, donc on n'a pas le son, mais bon, c'est pas grave. Après, ces emotes, voilà, qui rapportent toujours soit TikTok, YouTube, enfin, en général. Lady Gaga, toujours disponible, bien sûr, les pirates qui arrivent. Je vous rappelle qu'ils restent en boutique pendant un bon moment. Donc voilà, il reste, début août, ce petit pack. Donc vous avez trois skins à l'intérieur. Bon, vous avez forcément David Jones, je pense que vous connaissez tous l'univers des pirates qui arrivent, si c'est pas le cas. Malheureusement, je sais pas sur quelle plateforme on peut les voir. Sur Netflix, qui s'y est pas. Alors, peut-être prendre une vidéo. J'ai pas été vérifié pour le coup, mais je les ai vus il y a tellement longtemps. C'est vrai que ça donne envie de les revoir. Hein. Elizabeth, du coup, Swan, pour ceux qui ont bien la rêve, c'est vrai qu'elle a les cheveux beaucoup plus clairs que dans le film. Mais bon, après, c'est un détail ça. On a également, du coup, pour ceux qui connaissent pas la rêve, c'est le coffre Body. Donc, si vous voulez voir le film et que vous connaissez pas, je vous invite à le faire. Je vais pas vous dire la rêve si vous l'avez jamais vu. Sinon c'est pas marrant, c'est un spoil, un petit spoil, du coup voilà. Pourquoi un petit coffre, c'est qu'il a une ref,
par rapport à l'histoire du pirate. Le capitaine du Bougou Barbossa, ils l'ont fait beaucoup plus jeune sur Fortnite. Peut-être qu'ils vont faire une version plus âgée. C'est vrai qu'il est beaucoup plus jeune. Hein. Bon, après, c'est pas très, très grave en soi. On a également l'emote à l'intérieur. Classique. J'adore cette émotion. Le corps de David Jones. Et du coup, rappel de. L'un des chiffres. Je vous invite à aller voir. Si vous avez le moyen de voir sur une plateforme ou si vous l'avez peut-être en DVD. Hein. C'est vrai que. À l'époque, il y avait encore beaucoup de gens qui achetaient des DVD par rapport à maintenant. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui achètent les DVD. C'est une vraie question ça. Alors là, du coup, vous avez également séparément. Si vous voulez avoir que l'un des skins. Ou tout le pack. Comme, ou juste une emote. Hein. Ça, c'est juste tu vois après. L'emote est pour 500 V-Bucks. Voilà. On a également le petit skin de requin. Pour l'été, donc là du coup vous avez tout le pack au séparément comme je vous ai montré déjà. Metallica il va rester juste à la fin de l'event du coup. Mais d'ailleurs je suis au début à août, c'est vrai, faut pas que je me rappelle parce que j'avais dit que j'achèterais un petit peu avant la fin et bah, peut-être que je me rappelle que je l'achète avant parce que je vais me faire avoir. Du coup on a également pareil les danses avec les petites emotes, enfin l'emote la traînée je veux dire avec la tête de mort. C'est vrai qu'elle est sympa en vrai. Pour le coup, enfin c'est 600 V-Bucks comme c'est quand même cher pour ce genre de truc, surtout qu'on voit qu'en début de game quoi. Les pistes musicales, les voitures, bon ça on connaît, c'est déjà disponible déjà il y a quelques jours. On a les instruments musicales, les pistes musicales il y en a un millier, ça on connaît. Les Lego c'est les mêmes normalement. Là, moi j'attends toujours le restaurant pizza. Hein. Pour l'instant Fortnite n'ont pas l'air de vouloir le mettre, mais j'espère qu'ils vous mettront, ça sera bien. Franchement c'est ce que je veux, la pizzeria de Monsieur Tomate. Ah, je pourrais le mettre dans mon petit village, je le mettrai même dans tous mes villages. En me connaissant, je serais même capable de recréer un monde avec juste le restaurant pizza. Bref, du coup, on a également le club de Fortnite Soumassi. Je vous rappelle que vous avez accès au pass de combat gratuit de Fortnite et également gratuitement du pass pour ceux qui jouent à Rocket League aussi gratuitement. Donc voilà, et avec les 1000 débuts du mois-ci, etc. Plus les skins, bref, vous connaissez les avantages habituels et parfois vous avez d'autres avantages selon les mois. C'est déjà arrivé que Fortnite, par exemple, ils mettent le sauver le monde gratuit à l'intérieur. C'est déjà arrivé. Ça pourrait arriver de nouveau. Et une fois, ils ont même eu Spotify pendant 3 mois, gratuit, avec le club de Fortnite. Pour ceux qui sont fans, du coup, de cette application et des musiques, etc. Bon, voilà. Mais ils mettent de temps en temps, mais pas tout le temps. Sinon, c'est trop, tout le temps pareil et c'est trop facile, les gars. Bref, sur ce, moi, je vous dis à demain pour de prochaines vidéos et prochain live. Portez-vous bien, bon week-end, profitez bien des vacances, tous ceux qui sont en vacances. Et si vous n'êtes pas, bah, profitez quand même de votre week-end. À demain, tchuss!